Guylaine parce que je pense qu'il va nous surprendre. Mais n'oubliez pas, hein, apparemment, le maire ne devrait pas bien dormir avec ses tours. Enfin, c'est une image parce que tu vas l'impressionner. Je pense que je vais l'impressionner. C'est un challenge, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Pour de la magie, je sais que vous aimez bien la magie. Ah, j'adore ça. Ouais, ça fait oublier un petit peu la réalité. Et pour cela, ben justement, on a Bilal qui est avec nous. Bilal le magicien. Voilà, et là, c'est Bilal le magicien. Bilal le magicien, voilà. C'est très bien. Faire de la pub, hein. Bilal le magicien, bon, là, prometteur. Très, très prometteur. Bilal, monsieur le maire, alors. Donc, voilà, moi, j'ai apporté ici un jeu de cartes. Donc, juste avant de commencer le tour, je vous sers la main, je vous dis bonjour. Et bienvenue, on a bienvenue à vous, monsieur le maire. On a ici un jeu de cartes avec 50-52 cartes, donc hormis les jokers. Et toutes les cartes sont toutes différentes, on peut constater. Donc toutes les cartes sont toutes différentes. Et donc l'idée est la suivante, monsieur le maire, vous allez mélanger. Et comme on n'a pas le temps, il faudra faire confiance. Donc, monsieur le maire, vous avez un marqueur ici. Prenez-le pour l'instant. Parfait. Je vais faire défiler les cartes, il faudra bien stop quand vous voulez. Voilà. Allez-y, il faut stop quand vous voulez. Stop. Parfait. Allez-y, s'il fait une grande signature sur la carte, devant la caméra. Parfait. Caméra l'a vu ? Parfait. Et l'idée suivante, c'est de poser comme ceci et de se concentrer. Maintenant, je vais demander à monsieur le maire si monsieur le maire a une pièce de 10 centimes, 20 centimes, 1 euro. Je pense que je n'avais pas dit que c'était des tours payants. Moi, j'ai pas de pièce, pour tout. Parfait, merci beaucoup. On a une pièce de 50 centimes. Parfait. Alors, l'idée est la suivante, on va juste claquer des doigts. En claquant des doigts, une seule carte, on va tout de suite la voir. Une seule carte qui va être différente des autres, on va tout de suite voir où elle est. Tout doucement. Pour l'instant, elle n'y est pas, c'est elle. Une seule carte qui est différente des autres. Ce qui serait vraiment impressionnant, ce serait que la seule carte qui est différente des autres, ça soit la carte de monsieur le maire. Possible ou pas, monsieur le maire? Possible. C'est bien évidemment la dame de pique. La dame de pique qui est sa carte normalement. Ah non. Non, c'est pas la dame de... Non. Allez-y, monsieur le maire, vous avez déjà joué gratté un millionnaire, quelque chose? Vous avez déjà marché au pluraliste? Gratter ici, un petit truc. Parfait. Gratter la dame de pique. Merci beaucoup. On est ici donc. On a, si la caméra le regarde bien, on a un 4 de cœur. Ah. Je sais pas si ça. Et ce qui serait vraiment plus impressionnant, ici on avait quoi? On avait une dame de pique. Et ce qui serait vraiment plus impressionnant, monsieur le maire, ça serait qu'ici on a bel et bien. Le 4 de cœur signé. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Il est bon, hein. On va poursuivre. Hein. Vraiment, toutes les cartes sont toutes différentes. L'idée, monsieur le maire, c'est de. Allez-y, touchez-en l'une, n'importe laquelle, allez-y. Touchez-la, faites-la montrer, surtout à la caméra qui est ici. C'est bon? Je l'ai vu. Parce qu'un magicien, c'est un 12 sur 10 au niveau des yeux. 12. Vous prenez une autre carte, n'importe laquelle. Hein. Regardez bien ce qui va se passer. Allez-y, touchez une carte, un plaquet, allez-y, faites-vous plaisir, c'est parfait. Celle-là, on la prend. On va faire la prendre, il faut la faire montrer, et là je ne l'ai pas vue. C'est parfait. Ok, on va la mettre là, on va la poser ici parfaitement, discrètement. Parfait, au top. Alors, ce qui est marrant avec les cartes, c'est comme des crêpes. C'est pourquoi? Parce qu'on peut les faire sauter, c'est marrant. Ça sert strictement à rien, mais c'est marrant quand même. Il y a une chose que je déteste faire dans la magie, dans notre avis, c'est quoi? C'est frimeux, c'est un frimeux, il faut aller au tac au tac. Alors, monsieur le maire, j'ai une question à vous poser, du moins deux. Votre carte est-elle le. Non. L'as de pique? Non, faut me dire la vérité, parce que comment ça. Non. C'est pas l'as de pique? Non, sincèrement, c'est pas grave. Non, les spectateurs le diront aussi. Non. C'est pas grave. En fait, l'as de pique, il y a une petite particularité, parce que l'as de pique, si on se prend comme ça, on fait juste ça, regarde. 1, 2, 3. Là, il se transforme. Ah oui. Là, ça commence à devenir de plus en plus impressionnant. On va rebondir sur un autre tour. J'aurais juste besoin de vous, monsieur le maire, de quelle couleur est le valet de pique? Il est noir. Il est noir. Parfait, très bien. Alors le valet de pique, il a une petite particularité. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez pris le valet de pique? Vous savez pas? J'ai choisi. Non, parce qu'en fait c'est marqué sur votre index. Faites voir votre index droit, c'est marqué valet de pique ici. Vous voyez pas? Non. Mais c'est marqué à l'encre invisible, et c'est les magiciens. C'est moi qui regarde. Dites-y la suivante, on va poursuivre. J'ai choisi avec ce point là. Monsieur le maire, allez, dites-moi stop quand vous voulez, je vais faire défiler les cartes. Et l'idée c'est de dire stop quand vous voulez. Stop. Prenez votre carte, montrez-la juste à la caméra ici. Parfait, c'est bon. Bon, si possible, prenez pas la même carte. Si vous prenez la même carte, ça va pas nous arranger. Ouais. Prenez une autre carte.
Toutes les cartes sont différentes, on a 52 cartes, hein, vraiment, vraiment, le choix est varié. Monsieur le maire, allez-y, touchez une carte, n'importe laquelle, faites-vous plaisir, n'importe laquelle, allez-y. Non, ne vous faites pas influencer, prenez-en une autre, c'est bon. C'est pas le valet de pique? Non. Je l'ai vu, quoi. Parce que le magicien, c'est un 12 sur 10, donc quand vous la regardez, moi, ce que je vais faire, je vais me mettre là, on va la cacher, d'accord? Très bien, regardez ce qui va se passer. On va tout de suite, on va rebondir, bien évidemment. Monsieur le maire, dites-moi stop quand vous voulez. Stop. Ok, prenez votre carte, montrez-la à tout le monde. C'est bon, la mettez-la à l'intérieur du paquet. Parfait, au milieu. À l'intérieur? Voilà, à l'intérieur, c'est possible. Parfait. Maintenant, l'idée, c'est de. Voilà, on va faire comme ceci. On va mélanger le paquet comme ceci. Ça, toutes les cartes sont bien évidemment toutes perdues. Il y a une chose que je déteste de faire, c'est quoi? Si vous avez une bonne mémoire, c'est quoi? C'est le flambeur. C'est frimé, ouais. Et les cartes, c'est comme des crêpes. Pourquoi? Parce qu'on peut les faire. Il faut les faire sauter. Exactement. Ça ne sert strictement à rien. Maintenant, monsieur le maire, vous allez vous concentrer sur votre carte, d'accord? On va essayer de. Grâce à cet objet en plastique, qui est bien sûr invisible, on peut le constater, on va essayer de chercher quelle est votre carte. Il faut juste se concentrer et vous allez souffler au bout de 3. 1, 2, 3. Allez-y, soufflez pour voir. Et puis, normalement, quand vous soufflez, on a une seule carte qui apparaît non seulement pas ici, mais de l'autre côté. Le 6 de cœur. Bravo! Le 6 de cœur qui est ici, bien évidemment. Il est dit tout à l'heure, il est bon. Monsieur le maire, j'ai une petite question à vous poser. Dans un jeu, il y a combien de cartes, si vous avez une bonne mémoire? Dans un jeu, magicien chaud. 50-50. Je commence à avoir chaud parce que le niveau commence à monter. Et plus le niveau monte, et plus les gouttes de transpiration vont se voir sur mon visage. Alors, toutes les cartes sont différentes, on est bien d'accord. Hein. Toutes les cartes sont toutes différentes. Alors, monsieur le maire, j'aurais besoin de votre souffle magique. Vous allez souffler sur le paquet. Et quand monsieur le maire souffle sur le paquet, en claquant des doigts, normalement, on a une seule carte qui devient blanche. Monsieur le maire, ressoufflez sur le paquet si possible. 1, 2, 3, on a deux cartes qui nous branchent. Là, monsieur le maire, vous allez faire un truc extraordinaire. Vous allez taper des mains. Allez taper des mains et en même temps vous soufflez. 1, 2, 3. Et là, s'il y aura des mains, ce qui va se passer, toutes les cartes deviennent blanches. Vraiment, 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 vraiment tout. De ce côté-là et de ce côté-là, bien évidemment. Sinon, ça serait pas marrant. Merci beaucoup. Bravo! C'est la graine du champion, hein, Bilal. Magicien. C'est. Depuis maintenant, ça fait. Depuis l'âge de 13 ans. C'est un honneur pour nous de vous avoir ce soir. Hein. J'espère que c'est un honneur et j'espère que ça vous fait plaisir. Ah oui. C'est fini. C'est pas fini. Tu vois sur Facebook, là, vous êtes partout. On essaie. J'ai eu la chance de rencontrer pas mal d'artistes. Justement, sur l'une des prochaines vidéos qu'on va voir sur Miguel, il y a un message pour vous. C'est pour ça qu'il est là ce soir. On vous en dit pas plus. Passez-moi votre main droite, c'est possible. Votre main droite, on a ici le 4 de cœur. Mettez votre main par-dessus, c'est possible. Par-dessus 4 de cœur, upload 7 paquets, c'est parfait. On a ici le 4 de cœur qui est au-dessus. Donc le 4 de cœur, en claquant des doigts, il est obligé d'être au-dessus. Donc on va claquer des doigts. Une seule carte qui est montée à la surface, c'est le 4 de cœur. Jusque-là, tout va bien. Mais le 4 de cœur, si on claque des doigts, est-ce que c'est possible qu'il disparaisse? Non. Directement. Non. Mais monsieur le maire, on va faire quelque chose encore plus spectaculaire. On va tenter une expérience, celle de faire disparaître le paquet. Pour l'instant, vous le sentez? Ah oui, je le sens là. Merci beaucoup. Vous allez fermer les yeux et dire un nombre voisin entre 0 et 10. 9. 9. On va compter jusqu'à 9 ensemble. Au bout de 9, toutes les cartes vont s'envoler et toutes les cartes vont disparaître. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouvrez les yeux, le paquet disparaît. Vous le sentez, monsieur le maire, le paquet? Ah oui. Vous êtes sûr? Ah oui. Regardez entre nous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ah, super. Et pour finir, je vais faire un dernier tour. C'est pas un tour de magie, c'est un tour de mentalisme. Et je vais essayer de me connecter avec l'esprit du maire d'Angoulême, vous savez quoi il faut. On va se concentrer et vous allez penser à une carte vraiment n'importe laquelle. As de pique, dame de cœur, vraiment. Voilà. J'aime bien. Fiez-vous à vos intuitions. Déjà, vous voyez passer de là. Ce sera un manu qui est super malin. Pensez à une carte, là, n'importe laquelle de carte. Dans un jeu de 52 cartes, pensez pas à un joker, c'est trop facile. Pensez à une autre carte, n'importe laquelle dans le jeu. Ça y est. Bon, vous y pensez très très fort, passez votre main droite si possible. 1, 2, 3. Vous avez senti quelque chose? Non. Est-ce que vous sentez quelque chose? Votre main? Ouais, je caresse. Non, je peux pas. Alors, là, ce qui va se passer. On est bien d'accord que pour l'instant, monsieur le maire, vous êtes le seul à y penser à cette carte. Parfait, très bien. Non, ce que je vais vous demander, si on a un jeu qui est invisible pour l'instant, vous allez prendre l'âme de votre carte, allez-y. Prenez l'âme de votre carte, montrez-la à la caméra, c'est l'âme de votre carte. On fait la caméra à la voix. Là, derrière les internautes, ils doivent dire, putain, quel abruti celui-là, il montre une carte, il dit aux gens de montrer.
La carte est invisible pour l'instant, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Ouais, une carte spéciale. Voilà, vous allez mettre à l'envers dans le jeu. Mettez-la à l'envers dans le jeu, vous remettez dans le jeu. Parfait, là je suis en train de mélanger. Mélanger le paquet, je passe le paquet, mélanger. Mélanger, faites un petit mélange. Hein. Voilà. Parfait. Jetez le paquet en l'air pour voir, jetez-le en l'air. Comme une plaque. Ah. Je l'attrape comme ceci. Et là, quand je suis en magie. Fou s'il y avait ces cartes. Non, je fais de la magie, pas des miracles. Hein. Je vais pas nous faire. Et maintenant, je suis par magie, on a une seule, un seul paquet ici. Et une seule carte retournée dans ce paquet, la carte que monsieur le maire est en train de penser. C'est possible ou pas? L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira, exactement. On va tout de suite voir si le mentalisme a marché, parce que moi, juste avant de faire le tour de magie, monsieur le maire, j'ai retourné au préalable une seule carte. On va tout de suite voir si la seule carte que j'ai retournée avant, c'est la seule carte que vous avez pensée, monsieur le maire. Et pour ce faire, vous allez dire à vos hôtes, moi je ne peux plus changer parce que je ne peux plus la retourner en même temps. On est bien d'accord. Vous avez pensé à quelle carte, monsieur le maire? On va tout de suite voir si celle qui est retournée. 10 de trèfle. Le 10 de trèfle. Ou le 4 de carreau. Non. Non, 10 de trèfle. 10 de trèfle. On valide le 10 de trèfle. Allez-y, tapez 3. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est mon dernier mot. Il faut dire que c'est mon dernier mot, Bilal. C'est mon dernier mot, Bilal. Allez-y, tapez 3 fois sur le paquet et dites 10 de trèfle. 1, 10 de trèfle. 10 de trèfle. Ce qui serait vraiment impressionnant, ce serait qu'ici on a une seule carte à l'envers, retournée, la carte que M. Bonnefoy est en train de penser, qui est le 10 de trèfle. Trèfle. Le 10 de trèfle. Si on fait ça, si on fait ça tout doucement, là je peux plus tricher, je peux plus tricher tout doucement. Il y a une seule carte qui est retournée parmi toutes ces cartes. Non. Monsieur, vous allez tout de suite voir si c'est la bonne. Merci beaucoup. Bravo. Bilal le magicien. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, Bilal le magicien, officiel, on sait jamais. Je plaisante. Et sur Twitter également, Instagram, ma chaîne YouTube. Et Snapchat pour les pour la nouvelle génération. Voilà. Ah bah j'ai déjà liké. Hein. Déjà, voilà. J'aime bien, c'est sympa le nouvelle génération. Non, mais c'est pour tout le monde. Non, mais juste ce qui est bien, c'est que c'est pour tout le monde, de 7 à 77. Et j'ai un énorme privilège d'avoir le maire d'Angoulême qui a adhéré à ma poche Facebook. Voilà. Voilà. Merci Bilal. Et bien voilà. Et bien, on va se finir là-dessus. Bien, mais Bilal, ouais, franchement, merci Diego. Enfin, c'est un produit de chez nous. Puis surtout, il sait se vendre parce que je le vois parfois sur Facebook dans des endroits super et je me dis mais comment il a réussi à rentrer tout ça et donc il a du talent pour ça et donc vraiment moi je souhaite qu'il réussisse. J'espère aussi. Un compliment. Hein. Il est venu maire à 34 ans. Je croise les doigts, je croise mes orteils depuis 60 ans et je n'ai pas. Voilà, bah écoutez, belle émission va se finir. Bilal, merci. Monsieur le maire, merci aussi. On va passer un super moment. Puis, quant à nous, vous retrouverez justement cette émission sur les sites de la mairie et bien sûr sur les sites de Monde Mentor TV, ainsi que l'émission de Bilal avec une surprise, un petit message pour le maire, mais ça, je ne vous en dis pas plus. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Et bien, messieurs, merci. Puis, si vous partez en vacances, faites attention sur la route. Merci, Manuel. Ciao, ciao. Ciao. Soprano, c'est juste pour faire une grosse dédicace pour Bilal, le magicien officiel. Voilà, on lui donne de la force, qu'il y Inch'Allah, qu'il va le plus loin possible. A bientôt, ciao! Ils nous connaissent pas.